Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur leur piquage de cucurbitacées. Alors je sais pas ce que j'avais mis parce que j'ai pas mis d'étiquette, mais je vais les mettre là dans la serre. J'en ai déjà mis un, donc par contre je vais vous présenter un système d'arrosage par capillarité. Vous avez sûrement dû voir sur certaines vidéos d'autres youtubeurs, donc avec des bouteilles. Donc par contre il faut le bouchon. Si vous n'avez pas le bouchon, ça ne marchera pas, ou alors il faudra mettre quelque chose avec un élastique. Donc là c'est une bouteille de 2 litres, donc on peut aussi le faire avec des bouteilles d'eau. Là c'est des bouteilles de jus d'orange parce qu'elles sont plus costauds, donc elles résisteront mieux dans le temps et l'écrasement de la terre. Donc pour ce faire, vous aurez besoin donc d'une bouteille, alors soit 1 litre soit 2 litres, une perceuse avec une petite mèche. Alors celle-là, je ne pourrais pas vous dire, mais je crois que c'est du 2. Donc une petite. On doit faire 2 mm. Ensuite, on va percer donc au niveau de l'arrière de la bouteille, sur le côté, enfin en bas. Donc on va compter 5 cm en haut, comme ça il restera de l'eau dedans. Et moi je vais le faire sur les côtés, les plus larges. Vous en faites 2 de chaque côté. Voilà. Donc j'ai un trou ici et un autre trou ici. Donc le principe c'est que là j'ai déjà préparé le terrain là où je vais mettre mon cucurbitacé. Je vais enterrer la bouteille. Bon, vu que c'est un cucurbitacé au niveau racinaire, ça va pas très profond. Donc je vais l'enterrer jusqu'ici. Donc il y aura à peu près 20, 25, voire 30 cm dans la terre. Ouais, je vais vous dire ça avec précision. Ouais, une vingtaine de centimètres, 22. Entre 20 et 30. Ouais. Donc une fois que ça s'est mis dans la terre, je vais mettre le plan à côté. Bon là je vais l'arroser à côté parce que pour qu'il s'enracine plus facilement. Et ensuite, j'ouvrirai le bouchon, je vais remplir, et une fois que l'eau arrivera en haut, vite, il faut vite remettre le bouchon. Parce que vous pouvez tester, vous remplissez, parce qu'il y a ça qui dépasse, et vous allez voir que ça va descendre. Vous allez voir que ça va descendre, de toute façon, tout doucement, mais ça va descendre. Parce qu'en fait, il y a une prise d'air. Et le sol, lui, il boue. Donc là, vous allez fermer, enfin, une fois que l'eau est en haut, vous allez fermer. Et vous pourrez vérifier que bah, l'eau ne bouge plus. Alors, en fait, le sol, quand il y aura besoin, il va puiser l'eau dans la bouteille, mais tout doucement. Donc voilà. Donc là, on se rejoint dans la serre, je vous fais voir. A tout de suite. Donc voilà le premier pied qui avait été mis avant que je fasse la vidéo. Donc là, je l'ai mis à quoi? Il y a bien 15-20 minutes. Et on voit que l'eau est descendue jusque là. Et de toute façon, quand le sol sera gorgé de flotte, ça va plus descendre. Par contre, si vous mettez pas le bouchon, là j'en suis sûr, je serais revenu, bah, on revenait là et il y avait plus d'eau. Donc voilà, donc c'est un cucurbitacé, je sais pas lequel. Donc que je vais mettre, ça c'est l'entrée de ma serre. Donc de chaque côté. Vous voyez, ça fait un triangle. Donc c'est prévu pour mettre un légume de chaque côté, comme ça. J'utilise toute la superficie de la serre parce que là en fait j'ai que 2 passages. Comme ça au milieu il y aura des tomates, sur les côtés il y aura des tomates, de l'autre côté il y aura des tomates, dans le fond aussi. Je peux mettre plusieurs variétés. Poivron ce sera pareil, là, là, puis au milieu aussi. Bon, tout sera sa partie. Donc c'est parti, je vous montre. Donc juste ici, vous voyez, j'ai préparé le terrain. Juste y rajouter un peu
de terreau. Donc, on prépare sa bouteille. Bim. Donc, refermez le bouchon. Hop. Je vais la mettre là. C'est bon. Donc ouais, c'est nickel. Donc le trou, je vais le mettre dans la direction là où il y aura le plan. Le plan sera juste à côté, quoi. Comme ça, il pourra bénéficier de l'humidité de la bouteille. Bon, donc là, on rebouche. On va remettre les terres. Donc le pied, on va le mettre là. Voilà. Donc un pied. Donc voilà, donc je sais pas ce que c'est. C'est les gaines que j'avais mis, mais j'avais pas mis l'étiquette, donc je sais pas. Donc dans le pire des cas, si c'est un potiron, des pâtissons, ça file pas les pâtissons. Par contre, ça prend bien 1 mètre 20 d'envergure, quoi. Donc ici, ça sera tout juste, quoi. Mais c'est pas grave. Mais dans le pire des cas, si ça file, je le ferai sortir. Hop, de chaque côté à l'ouverture en bas, il sortira tant que le pied est au chaud. En plus, là aussi, ça sera mi-ombre. Donc voilà. Donc, allez, c'est parti. Je plante ça. Donc, on voit bien que alors, c'est quand même vigoureux comme plant au niveau racinaire. Donc, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave, c'est un légume qui sera dégusté. On pourra faire des sous. Hop. Et voilà. Donc le plant est planté. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre mon arrosoir qui est branché sur ma cuve juste à côté de la serre en hauteur. Pour ça, c'est bien d'avoir un point d'eau à côté de la serre. Donc là, on vient ouvrir le bouchon, la bouteille, et on va remplir. Donc voilà, il y a de l'eau jusqu'en haut. Donc vous pouvez voir que le niveau, il baisse vite. Vous voyez, ça descend. Ça continue de descendre. Donc là, je vais remettre de l'eau jusqu'en haut. Et il faut que ça déborde, on referme. Et donc on peut voir que le niveau bouge plus. Là, c'est parce qu'il y a de l'air autour de la bouteille, c'est pas grave, mais ça descend plus aussi vite. Vous voyez, je suis juste au niveau du goulot là, et donc après, ça va se faire par c'est le sol qui va venir chercher l'eau s'il a besoin. C'est pas la bouteille qui va le déverser dans le sol pour rien en fait. Donc, ce système, parce que j'ai pu regarder plusieurs vidéos sur internet, et franchement. En période de sécheresse, une semaine et demie sans arroser, si vous avez ça à côté des pieds de tomates, de courgettes, voilà, ça marche aussi très bien dehors que dans la serre. Là, je mets ça dans la serre pour être tranquille là pour l'instant. Après, je verrai, j'aurai un système d'arrosage que je vais acheter.
Donc voilà, vous voyez, bah ça descend pas. Hein. Ça va descendre, hein, bien sûr, mais tout doucement. Et ça va nourrir cette partie-là. Donc aussi bien par là qu'aussi bien par là. Donc voilà. Là, je vais couvrir. Je vais aller chercher ce qu'il faut et je reprends. Donc j'ai ramené ce qu'il faut. Donc pour moi, étant donné que c'est ce que j'ai le plus, parce que le voisin m'en donne aussi. Donc un mélange gazon sec et un gazon qui a été coupé il y a 2 jours. Donc le fait de faire ça, vous allez limiter déjà l'évaporation et garder l'humidité au sol et aussi d'éviter que les adventices poussent trop vite, parce que là avec l'humidité. Donc voilà, donc ce gazon, donc il y a la première tonte, c'était celle du voisin. Donc c'est une herbe italienne, ouais, un peu plus grasse, plus fine aussi, donc elle sèche plus vite. Avec mon gazon en bois, donc qui est carrément différent, c'est du basique. Donc il y aura un mélange carbone-azote. Et étant donné qu'il est, c'est du gazon qui est jeune, enfin qui est jeune, qui n'est pas poussé en graines, ainsi que les adventices qui étaient dedans ne sont pas en graines. Donc il n'y a pas de souci que ça, que des mauvaises herbes viennent empiéter sur cette zone. Oui. Vous voyez la pression? Là c'est parce que l'eau, la terre elle est collée au niveau des trous. Donc là du coup bah ça a baissé. Bon, on va laisser comme ça, on verra bien. Donc voilà pour cette petite présentation d'un, on va dire, goutte à goutte par capillarité. Sur ce, je vous dis à bientôt.